Konnichiwa Likimishi, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, eh bien, c'est parti, j'ai préparé des petits cadeaux pour mes habitants. On les avait achetés ensemble en vidéo, et ben on va les offrir aujourd'hui. Donc, je trouvais ça beaucoup trop drôle. Les petites vestes, les petits blousons, je crois que ça s'appelle, de rappeur avec la grosse chaîne en or pour mes petits garçons. Et les robes élégantes strictes. Il me semble qu'elles s'appellent comme ça. Mais donc voilà pour les filles, on va faire le tour de mon île, on va faire ma routine. À mon avis, il y a du taf, il y a du boulot, vous savez pourquoi? Parce que ça fait un petit moment, enfin ça fait 2-3 jours peut-être que je m'en suis pas vraiment occupée. Parce que j'ai fait des vidéos déco sur mon île et bien du sud, hémisphère sud, du coup bah j'ai pas eu le temps. Ok, ça j'en veux pas, je le ramasse pas, je vais ramasser que les bénitiers géants dont j'ai le besoin le plus. Faudrait que je trouve un endroit pour les fleurs que j'ai laissées sur les plages comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Non, oh, Yalora, elle est juste là. Alors attendez, est-ce que j'ai bien... Ah oui, regardez, j'ai préparé pas mal de petites choses parce que j'essaye de vider un maximum mon inventaire. Donc j'ai récupéré bien ce que j'ai pas vendu, donc je vais aller le vendre. J'ai quelques fossiles et bien à expertiser. D'ailleurs, il va falloir qu'on passe d'abord au musée et ensuite on ira. Comme ça, je vends tout d'un coup. Et donc, j'ai du papier cadeau, mais j'en ai pas beaucoup. Mais Laura, regardez, on va pouvoir. Ah bah, regardez, un fragment d'étoile. Oh zut, bah oui, je peux pas le ramasser évidemment. Non, on va le laisser ici. Et ce que je vais faire, c'est que on va regarder les couleurs des robes. Qu'est-ce que j'ai comme robe qui pourrait être sympa en couleur? Il me semble que là. Non, ça, je garderai bien pour Monica cette couleur-là. Le rose, ça peut être pas mal. J'en ai deux de rose. Donc ça peut être une rose, et ben vous savez quoi, ça peut être une rose pour elle et une rose pour Nadine. Non, pour Christine, pardon. Christine, la bleue pour Nadine. Ah, il y a du violet aussi. Le violet, ça peut être pour Didi. Oh, Kibi, c'est gentil de venir me voir. Voilà pour toi. Tu n'aurais pas dû. Mais si, tiens. Oh, quand même, regarde. Allez, ouvre. Non. Est-ce que c'est bien une robe élégante stricte? Tu sais quoi, je vais faire quelque chose de complètement fou et l'essayer sans plus tarder. Mais vas-y. Oh ouais, elle lui va très très bien. Elle lui va très très bien. Une salopette en jean. Cool, ça dit donc. Ah, j'aime bien les salopettes en jean. Cool, ok, merci. Allez, on part au musée direct. Mais on se réveille, Thibou. Ok, il n'y en a aucun qui sont bons. Bon, direction la boutique Noob, comme ça on va aller vendre eh bien les fossiles, les insectes, les poissons que j'ai en trop. On va acheter du papier cadeau. On va regarder aussi ce qu'il y a d'intéressant à acheter. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Un ordinateur. Ça, non. Il y a les toilettes. Non. Franchement, ça j'ai déjà aussi. Ça aussi j'ai déjà. Allez les nains, achetez-moi mes trucs. Alors on va leur vendre ça. En fait, on va tout vendre évidemment, sauf les cadeaux. Ah ouais! Oh purée, en même temps, il y avait beaucoup de trucs. Hein. Énormissime. Ok, c'est cool. Bah, marché conclu, évidemment. Bon après, voilà, il y a les fossiles et tout. Ça se revend quand même pas mal, les fossiles, les requins et tout. Non, franchement, c'est cool. Attendez, voir ce qui me reste. Et bah, c'est parfait, ça. Allez, on achète du papier cadeau. C'est mignon, ça. Mais je crois que je l'ai déjà. Allez, papier cadeau. Allez, normalement, j'en ai largement assez. Alors, on va pas aller tout de suite chez les sœurs doigts de fée parce que j'ai tous les cadeaux et puis je vais mélanger les pinceaux. C'est obligé. Je vais confondre, je vais offrir des trucs qui... Je vais misclick, c'est certain. Donc... Ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va offrir tous les cadeaux déjà à mes habitants. Il y a Neferti. Alors attendez, Neferti, j'aurais bien aimé lui offrir la bleue. Me semble-t-il que c'est celle-ci. Non, pas du tout. Alors non, c'est la salopette. Oh là là, faut que je fasse attention de ne pas misclick, hein. C'est pas celle-ci non plus. Ah non, c'est pas une bleue. La bleue, c'est pour Nadine. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme couleur? La foncée, elle est pas mal aussi. Hein. Ah ouais, la foncée, ça peut être pas mal en vrai pour Neferti. La verte, j'aimerais bien l'offrir à Monica. On va lui offrir celle-ci. Allez. Oh, je vais enlever la salopette en ligne. Je vais la décaler parce que je sens le misclic arriver, hein, c'est sûr. Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Allez, lève-toi. Je pourrais rester ici pendant des heures. Alors, attendez, je vais la pousser. Ah, voilà, nickel. Merci d'ailleurs pour le conseil. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'avais peur, en fait, de leur faire mal. Mais en vrai, bah, c'est nickel. Hein. Allez, ça te ferait plaisir. Allez, tiens. Quel emballage. Blablabla. Allez, ouvre. Une robe élégante stricte. Pince-moi, je dois être en train de rêver. Oh, regardez, Raymond, il a mis ses lunettes futuristes. Oh purée, ça claque, il est trop beau avec... Oh,
Oh mais où? J'avais pas pensé à ça. Oh, on va lui offrir la veste. Ça va être magnifique avec les lunettes. Ça va être trop beau, il va avoir un look de dingue. Allez. Ah ouais, la couleur lui va super bien. Ah ouais, je suis contente. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Un veston en jean. Ok, c'est cool. Merci. Ah ouais, il va très très bien la robe. La couleur, c'est cool, hein. Franchement, la couleur, c'est vraiment vraiment cool. Hein. J'adore. Bon, alors attendez, le veston, on va le décaler parce que c'est obligé. Je vais misclick. Il y a Jason sur mon île. J'avais pas fait gaffe. Oh, mais regardez cette classe de ouf qu'il a. Les lunettes. Oh, le costume. Il est magnifique, mon petit Raymond. Il est trop beau. Et alors, attendez voir avec ça. Ça va être incroyable aussi. Oh, t'es sérieuse? Mais grave, tiens. Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je suis en train d'halluciner. J'ai bien là un blouson rappeur. Ça, c'est le cadeau que j'ai envie d'enfiler. Vas-y. Oh my god. Mais regardez cette classe de ouf. Franchement, ça claque. Hein. J'adore trop, quoi. J'ai pas mal. Non, vraiment pas mal du tout. C'est même très bien. Il va me filer un combi short, ça te botte. Allez, vas-y, envoie. Hein. Merci, mon Raymond. Oh, ah ouais, regardez, mais pouah, cette classe de ouf. Bon, alors attendez, que je misclique pas. On va... Qu'est-ce qu'il m'a filé? Il m'a filé le combi short. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, c'est propre, il n'y a pas de mauvaises herbes, ça c'est cool. Il n'y a pas de fossiles non plus. Oh, il est malade! Oh, purée! Il me faudrait remède. Je ne suis pas en état de sortir pour aller en acheter. Oh, vite! On va aller acheter tout de suite un remède pour Octave. Pauvre chou, regardez-moi ça! Ah, il vient de m'éternuer dessus! Tiens! T'as un remède pour moi? Bah grave que j'ai un remède pour toi, hein. Ah, je commence à me sentir un peu mieux. Bon bah c'est cool ça, grâce à toi ça va beaucoup mieux. Tiens, qu'est-ce qu'il me donne? Un débardeur en mousseline. Ok, vas-y, envoie. Ok, ça marche. Allez, moi je vais te filer son cadeau. Allez. Oh, je vais pas lui donner tout de suite? Oh zut. Ça me fait délirer de ouf. Il y a un petit alien qui sort de la soucoupe volante. Ok, bon, est-ce que je peux lui donner son cadeau là? Non, je peux pas tout de suite. Bon, vous savez quoi? On va sortir et puis on reviendra plus tard. Il faut absolument pas que je misclique son cadeau. C'est celui-ci. C'est le rouge. Et celui-ci, purée. Ça, je sais que c'est pour Marvin. Il faut qu'on trouve Marvin, en fait. Le bleu, je sais plus ce que c'est. Quelle tête de linotte que je suis. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe par ici. Ok, ça, c'est Laura. Oh, on a Monica ici. Alors, attendez, on va emballer son cadeau. On a dit que pour Monica, je voulais lui offrir la verte. Eh ben, c'est celle-ci, la verte. Ok. Elle est en train de faire son sport. Wesh, Kibi. T'es toujours aussi resplendissante. Tiens, voilà pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Des cadeaux comme tous les jours, ma cocotte. Allez, tiens. Allez, go la mettre direct. Une robe élégante stricte, sans blague, en vrai et tout. Direction la cabine d'essayage. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi. Allez, go. C'est parfait, de toute façon, elle est toujours magnifique. Une salopette en jean. Purée, mais je viens d'avoir la même chose par Néferti. Bon, ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est les sub goals que j'ai laissé hier sur la plage. Il y a Nadine. Oh, magnifique. Tiens, salut toi. Alors, ça te ferait plaisir. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Oh, j'ai hâte de voir ce qu'elle est à l'intérieur. Allez, ouvre. Une robe élégante stricte. Il doit y avoir une erreur, ce n'est pas vraiment moi. Mais si, tu sais quoi, je vais faire quelque chose de complètement fou. L'essayer sans plus tarder. Ah bah ouais, c'est parfait. Ça lui va hyper bien. Un circulaire d'eau. Un circulateur d'eau. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ce que c'est. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Porcelaine. Porcelaine. Ok, j'en veux pas de la porcelaine. J'en ai plein, plein, plein de mon inventaire. Et ça, ok, clipéas. J'en veux pas non plus. Attendez, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de ouf. Ok. Un circulaire d'air. C'est ça, non? Pourquoi j'ai dit d'eau? N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, on va passer par le restaurant. On a encore du monde à trouver. Il nous manque Mathéo, Marvin, Christine. Oh, regardez-moi ça, le Raymond qui est en train de danser. Trop mignon. Oh, il a la classe. Il a trop la classe. Allez, salut. Alors, qui c'est qu'on va pouvoir trouver? Ah oui, il y a Didi aussi qu'on n'a pas trouvé. Didi est chez elle. Didi est chez elle, j'aurais bien aimé lui offrir la violette. Je crois que c'est celle-ci, forcément. Pas forcément, mais c'est celle-ci. Allez! Oh oui, elle est en train de craft. Mince. Si, j'ai emballé son cadeau. Oh, elle a mis la robe jaune coquillage. Elle est trop belle. Oh, elle est vraiment trop mignonne, cette Didi. Ma foi, qu'est-ce que ça peut être? Oh non! Allez, Zayla. Allez! Ah ouais, ça lui va hyper bien. C'est parfait sur elle. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Un mumu hibiscus. Ok, c'est cool. Ouais, non, regardez-moi ça. Il n'y a rien à dire. Elle est quand même magnifique. Elle est assortie à son lit coquillage. Ouais, non. C'est superbe. Allez, salut!
Allez, il faut qu'on trouve Christine, Octave, pas Octave, Marvin et Mathéo. Il manque Mathéo aussi. Et comme ça, après, on pourra aller faire un petit tour chez les sœurs Doigts de Fée. Voir qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il est où? Ah, il est là! Oh, je le voyais pas tellement, il est petit. Oh purée, il est tellement petit que je voyais pas où il était. Alors logiquement, si je me trompe pas... Attendez, mais en fait... j'ai un doute. J'ai trop fait de mélange. Je vais être obligée d'ouvrir. Je pense que c'est celui-ci, mais je préfère l'ouvrir quand même. On sait jamais. Blouson de rappeur. À tout moment, je lui offrais une robe, quoi. Allez, on va l'emballer. Comme ça, il aura le blouson en violet comme... Oh, il est en train de chanter. Hello, ça fait plaisir de te voir, Miss Click. Voilà pour toi. C'est pour moi, sans rire. Miss Click, c'est énorme. Quelle surprise. Bon, allez, je l'ouvre. Pince-moi. Je rêve, c'est bien blouson rappeur. Allez. Trop bien, c'est trop beau. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'il va me filer? Une combinaison de lutte. Ok, ça marche. Merci. Ah ouais, c'est nickel. Dommage qu'on puisse pas le voir dans l'autre sens. Oh, il est trop mignon quand il chante. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve Christine. Je pense qu'elle est peut-être chez elle. Hein. Ouais, elle est chez elle. Oh, il y a Marvin, il est chez elle. Oh, c'est génial. Je vais lui emballer, eh bien, son cadeau. C'est à Marvin, comme ça. Je vais lui offrir en même temps. C'est parfait. Merci d'être venu. J'ai aussi invité quelqu'un d'autre. J'espère que vous vous entendrez bien. Bon, bien sûr, hein. Ça te ferait plaisir. Tu as quelque chose pour moi? Bah oui, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, zut! Mais non! Oh, purée, mais comment j'ai pu me tromper? Oh non, je peux pas me retourner en arrière, c'est mort. Je suis dégoûtée! Oh, le blouson de rappeur. Bon, au moins, ça sera drôle, hein. Donne-moi une seconde, je vais l'essayer. Merci beaucoup. C'est exactement ce dont j'avais besoin encore une fois. Tu as vu juste. Mais non. Oh, c'est drôle en vrai, ça lui va bien. Hein. Tiens, prends ça, c'est une poupée parce que je sais que tu aimes ça. Une poupée? Non, je déteste les poupées. Oh purée, elle m'a offert une poupée, je déteste ça. Il faut flipper les poupées. Ah, non mais en vrai, ça claque. C'est trop drôle. Oh purée, le misclic de ouf que je viens de faire. Bon, attendez. Donc forcément, on est d'accord que ça, c'est forcément une robe. Ah non? Mais oui! Ah oh, mais bien sûr. C'est Octave qui est malade que je n'ai pas encore pu lui offrir. Eh ben, c'est pas grave. Hein. On va lui offrir aussi le blouson de rappeur. Hein. Eh ben, tant pis. Allez. Oh, il est assis. Il est assis, je peux pas lui offrir. Zut. C'est pour toi. Bah, comme ça, ils sont ensemble. Ils sont potes. Et puis, ils auront la même... Eh ben, ils auront le même blouson de rappeur. Oh, purée. Attends une seconde. C'est un blouson de rappeur. Purée, ils vont être habillés pareil. C'est trop drôle. Excellent. Un débardeur à volant. Ok. Ah, il dit oh là là. Ok, d'accord. Oh, ça claque. Il y a moyen de les mettre à côté comme ça pour qu'on puisse les voir. Oh ouais, regardez ça. Allez, on continue cette tournée. Bon, j'ai mis ce clic, hein. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, la Nefertiti? C'est rigolo, ça. Donc, eh bien, il reste plus que Octave. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir à Octave? Parce qu'en vrai, il me manque une robe. J'ai dû me tromper, c'est pas possible. Pourtant, j'ai compté 6. Veston, salopette en jean. Qu'est-ce qui va me rester? Un débardeur à volant. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir à Octave? Alors, attendez. On peut lui offrir un débardeur en mousseline. Pas du tout, c'est pour fille. Une combinaison de lutte, non. Un mumu hibiscus, non plus. Une combi short, certainement pas. Un veston en jean. On va voir à quoi ça ressemble, parce que ça peut être pas mal, hein, pour Octave en vrai. Le pauvre, il a pas de cadeau. Ah ouais, ça peut être rigolo, ça. Allez, c'est rigolo, le veston en jean. On va l'emballer tout de suite et on va aller lui offrir, le pauvre. Il a été malade et en plus, il a pas son cadeau. Emballé. Allez, veston en jean. Et puis, je rachèterai un jour, eh bien, le blouson de rappeur et je lui offrirai. Alors, j'espère qu'on peut lui offrir maintenant. Ne te fatigue pas de parler autant. Oh mais l'accueil quoi, tyran chonchon. Tu veux m'offrir quelque chose, hein? Bah oui, tiens. Je sais pas s'il va le mettre. Tu m'en voudras pas si je l'ouvre tout de suite, j'espère. Non, vas-y, vas-y, ouvre. J'en reviens pas, un veston en jean. Bien, je vais l'essayer sans plus tarder. Vas-y, hein. Oh, ouais, ça claque. Oh non, c'est trop rigolo. Une tenue d'ouvrier. Ok, ça marche. Oh non, ça lui va trop bien. Oh ouais, j'adore. On voit super bien ses...
Oh, on voit super bien ses tentacules. J'adore. Ça claque de ouf. Allez, salut. Allez, on va faire un petit tour chez les sœurs Doigts de Fée, voir un peu si on a un truc d'intéressant, de sympathique à acheter. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Chemise Guayabera. Non. Chemise nouée devant. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est plutôt pour filles. Mais bof. Chemisette chinoise. Ça, c'est mignon. Débardeur bof. Ah, bah voilà. Ça, c'est parfait. Le t-shirt matelot que j'ai déjà offert en fait à Mathéo et à Raymond. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer ça pour Marvin et pour Octave. Ok, ça je peux prendre pour Marvin et Octave. En vrai, pour, même pour les filles, ça peut être sympa. La robe d'apparat, je l'aurais déjà offert. La barrette zen. Oh, c'est mignon ça. Mais bon, on sait qu'elles mettent pas les coiffes, donc ça sert à rien. Je sais que j'ai les robes de servante que Wiki m'a envoyées. Donc en vrai, vous savez quoi? Aujourd'hui, bon, ça j'ai déjà, donc je vais pas leur offrir la même chose. On va prendre ça parce que même pour les filles, ça peut être sympa. Allez, je vais acheter en vrai, j'en ai besoin que de 8 pour les filles et pour Marvin et pour Octave, pour Raymond et pour Mathéo. On peut délirer, on peut leur acheter ça, hein. C'est pas mal la chemisette chinoise. Allez, c'est parti, on va faire ça. Allez, et bien c'est parti, c'est fini pour le shopping. On va continuer le tour de l'île. Parce que du coup, je n'ai pas fait tout le tour de mon île pour voir. Bah, il y a Jason qui est ici, du coup, j'aurais pu lui vendre des insectes. Mais bon, je ne savais pas, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les plages ici? Ok, rien de particulier. On va monter au niveau du camping. Voir, à mon avis, il doit y avoir pas mal de mauvaises herbes. Et ben, en vrai, franchement, ça va. C'était pas si sale que ça. Alors, on va continuer. On va y passer de l'autre côté de mon île. On n'est pas trop passé par l'autre côté des plages. En fait, on devait y passer au début. Puis j'ai fait demi-tour pour retourner au musée. Alors ici, non, bah, y a rien de particulier ici. Allez, j'ai un fossile juste ici. Alors, la bouteille à la mer. Qu'est-ce qu'on a comme bouteille à la mer? Une commode en bois. Je connais déjà ça, non? Ouais. Ok, on va aller récupérer le fragment d'étoile juste ici. Allez, j'ai récupéré ma combinaison de plongée, j'ai rangé tout ce dont je n'avais pas besoin dans mon inventaire. Et ben c'est parti, on va partir tout de suite récupérer le pétoncle. Allez, plouf! Purée! Ça fait une heure que je lui nage après, que je lui cours après, le Batinon géant. Oh là là, je lui ai fait une feinte et j'ai réussi à l'avoir. Allez! Ah, enfin! Enfin! Qu'est-ce qu'on va récupérer ce matin? Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ce matin, je dis ce matin, on n'est plus tout le matin, mais comme d'habitude, je fais très tôt ma routine. Bah là, allez, les étoiles normales. Bon, à chaque fois, je comprends rien à ce qu'il raconte. Allez, des bisous, Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Faites que ce soit un plan. Non, c'est une perle. Ok, bon, bah c'est cool quand même. Hein. Allez, on va sortir de l'eau. Oh, bah qu'est-ce qu'elle veut? Ça te ferait pas rire de voir quelqu'un mordre à pleines dents dans un gâteau recouvert de dentifrice? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'adore cette blague, pas toi? Quoi, non, je l'ai jamais faite. En vrai, bien sûr. J'essaie juste de t'expliquer que les mimiques peuvent servir dans toutes les sortes... Oh, oh my god. Oh purée, elle va me donner sa mimique. Même quand tu imagines une blague rigolote, tu peux exprimer ta malice. Oh non, c'est trop génial, je suis trop contente. Oh ouais. Oh, donc c'est la mimique des vives que je récupère.
Tu as appris à exprimer la malice gnac gnac gnac. Ok. Oh purée, trop cool. Trop cool. Oh, je suis trop contente, quoi. Alors attendez, elle est où? Elle est là. Oh, ça claque. Elle claque cette mimique, hein, quand même. Hein. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon île. J'ai récupéré la mimique des vives. Et là, et ça, franchement, c'est trop cool. Je suis, mais vraiment trop contente. On va regarder un petit peu. Là, Laura pêchait. Enfin, je suis trop contente. Et bien voilà, hein, vous avez passé encore une journée avec moi sur Kibi Island. Et voilà, je voulais vous dire, et bien, si vous avez envie de récupérer comme ça les mimiques, qui sont très difficiles, c'est les dernières mimiques, en vrai, qu'il me manque. Et bien voilà, si vous avez envie de les récupérer, n'hésitez pas à faire des cadeaux tous les jours à vos habitants, à leur parler, à emballer leurs cadeaux dans des... Dans du papier cadeau, c'est très important parce que ça vous fait vraiment gagner des points d'amitié en plus, leur retirer les puces quand ils ont des puces, leur ramener des remèdes quand ils sont malades, enfin voilà, vraiment vous occuper, les chouchouter un maximum pour, eh bien voilà, récupérer eh bien les mimiques spécifiques et puis voilà, et puis ils vont vous faire aussi des cadeaux, donc c'est vraiment trop cool. En tout cas, eh bien voilà, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous évitez d'oublier les lives et les vidéos tous les matins sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous, les kibichis.